Graças a Deus, eu consegui. Eu adoro.
Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toute ma vie. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel. Tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent? Du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les ai d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi. Et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Parole du Seigneur. Amen. Quel que soit côté ma cachée d'enfant.
Éternel, Dieu des armées, que ton nom soit exalté, Père, que ton nom soit béni. Car tu es pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans la minute sa Père, nous venons devant le trône de grâce pour nous bénir, pour nous exalter, pour nous glorifier, nom qui est saint, nom digne pour les capables de célébrer, nom digne pour les exalter, nom digne pour les adorer. C'est raison sa Père nous réunit pour nous capables d'exalter, nom. Glorifie-nous, magnifie-nous, Seigneur. Seigneur, pour que nous réunions ensemble en famille et gagnons pour notre Père Céleste Puissant. Amis, internautes, qui l'a connecté ensemble avec nous, au notre Dieu, amis, ça, pour capable d'exalter nous dans nos louanges. Parce que c'est bon Dieu, ou c'est papa. Ou c'est un bon berger qui toujours a veillé sur nous. C'est sa fête. Nous pas jamais manquer de rien. Dans la minute, Seigneur, nous trouvons-nous bien bas pour nous capables de demander au pardon pour notre Père Céleste, pour tout erreur, pour ça nous parler, ça nous penser, ça nous dire qui va dans la volonté. Nous prions Père Céleste pour que nous capables de faire une grâce, pour que nous capables de pitié pour nous, parce que nous faisons ça qui parle. Que le sang de Jésus-Christ capable de laver, nous purifier, nous de toute iniquité. Et nous prions, Père Céleste, pour accepter notre présence. Côté que nous voulons remercier. Remercier parce que vous êtes toujours là avec nous, malgré le vent soufflé, malgré les moments difficiles, malgré, Seigneur Dieu, le moment de pandémie. Mais vous êtes toujours là. Merci pour vos promesses que vous faites, nous, Père Céleste, pour dire dans la parole que. Moun pa ou yo ou konnen yo. Amen. Ou konnen moun pa ou yo paske si ou men ki a veye sou yo. Menm si bagay yo paret difisil, men moun pa ou yo an sekurite. Se sa fe ke la apotre Paul te eksperimante sa pou l'ekri pou li di. Men ki sa kapab separe nou de l'amour ke ou manifeste an Jésus-Christ? Eske se la fin, est-ce que et c'est deuil, est-ce que c'est maladie, est-ce que c'est problème, et on peut le dire, rien, absolument rien, ni hauteur ni profondeur, absolument rien, pas qu'à séparer de l'amour, ça peut nous trouver. Et c'est ça que Père Céleste nous vient avec un cœur reconnaissant pour nous dire merci, parce qu'on prend pour nous. Ou bon pour la famille Noël, ou bon pour la famille La Seine, ou bon pour la famille Saint-Ville, ou bon pour chaque oh Dieu tout-puissant internaute qui l'a ensemble avec nous, avec famille. Dans le ça, Seigneur. Mais nous venons intercéder avec frère ou soeur qui est malade dans le même ça. Gagné qui a suivi nous pour au notre Dieu, qui est touché par oh Seigneur la fièvre, gagné au Dieu. Qui est enrhumé, Seigneur Dieu, qui a fait mal, qui a une maladie quelconque, oh Dieu, mais qui est touché par les virus et corona à terre. Dans la minute, ça, on va visiter, on va capable de toucher au nom de Jésus, parce que c'est vous-même qui c'est vos médecins qui existent. C'est ça que fait nous, Yahweh, la femme, parce que vous guérissez toute qualité de maladie, maladie naturelle, maladie surnaturelle. C'est au même bien pouvoir pour qu'on guérir au Seigneur. C'est peut-être ça nous prions. Visiter ça qui est malade dans la minute ça. On va apporter solution pour vous au Dieu. Et vous permettre de retrouver la guérison pour le corps, la guérison pour l'âme, pour l'esprit. Parce que lorsque vous guérissez complètement. C'est mon Dieu qui va une guérison totale. Oui, Seigneur Dieu, médecin, vous êtes capable d'une amélioration pour le corps physique là uniquement. Mais vous-même, les visiter, vous allez toucher, oh Seigneur, vous touchez, nous guérir complètement, nous jouons une guérison, le salut pour nous, pour nous, pour l'esprit.
Seigneur, mes pays, nous-mêmes, au nom de Dieu, nous besoin plus que jamais toute autorité, toute sa autorité en dignité, nous-mêmes, visiter. Nous prions, Seigneur, pour chaque église, pour chaque famille, nous amenons ça, Seigneur Dieu. Mais l'église évangélique, nous-mêmes. Mais leaders évangéliques, nous amenons, Seigneur Dieu. Visitez-vous à toute famille, au Père Céleste Puissant. Et chaque bien-aimé qui est avec nous, Seigneur Dieu, nous amenons ça. Au Père Céleste, on a besoin de chaque famille dans le monde, on a besoin de chaque monde indistinctement. Seigneur, ça qui a suivi nous connaît là, on va visiter au notre Père Céleste Puissant. Ça qui a besoin d'une visite pour la vie spirituelle, au Dieu, on va visiter. La vie nous amène, on peut contrôler chacun de nous-mêmes qui l'a, nous ça, Seigneur. Guidez par nous, t'as décrit nous, et vous allons adresser avec le Père Céleste. C'est dans le nom de Jésus-Christ seul qui dit toi. À lui seul soit gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Et puisque nous nous sommes priés avec la foi, nous conviction que mon Dieu t'a et nous nous prier avec nous, nous devons prier. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci d'avance, Seigneur. Merci d'avance. Merci en pile, Seigneur. Merci en pile, Seigneur. Nous allons continuer à adorer le Seigneur. Et cette fois-ci, c'est numéro 299 français, les chants d'espérance. Haute séculaire, frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi. 299 français. Dans le danger, alléluia.
aujourd'hui, c'est la sœur Esther la Saint-Saint-Ville qui va la prendre verser ça, disposer avec service. Les amis internautes, ou même qui habituent à adorer avec nous, font plaisir encore une fois pour nous rentrer la caillou, particulièrement dans la rubrique apprentissage universel, que nous avons déjà de faire. Je dis à la apprendre 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, le verset 9. Ma ligne d'abord pour vous. Après, on a répété ensemble. 1 Pierre 2, verset 9 dit qui ça? Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ma colline, encore une fois, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On est là pour passer d'un stade à un stade. Et ma priorité en première partie, et puis nous-mêmes, la priorité en ce moment. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Une nation sainte. Un peuple acquis. Un peuple acquis. J'en comprends encore. Vous au contraire. Vous au contraire. Vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Une nation sainte. Un peuple acquis. Un peuple acquis. J'en dis toute première partie à un coup. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Comme moi, nous quittons comme c'est pour nous mémoriser. La deuxième partie. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ah, mon beaucoup bien mémorisé, n'a pas prévenu encore une fois. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je le dis pour nous, nous même dans ce moment avant que nous fassions les citations. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous allons prendre ensemble avec, ensuite nous allons passer dans l'espace. 1 Pierre 2, verset 9. Il dit qui ça? Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Pour nous, ma présidente, d'abord, ensuite, on va passer à l'autre élève qui a étudié la parole à nous. 1 Pierre 2, verset 9, il dit qui ça? Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ton tour. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Sœur Noël. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est le tour de Pasteur Noël. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue,
un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Au même temps, car réciter le droit écrit à travers un commentaire que en balade là, là on va permettre de faire que nous connaissons que nous allons apprendre ensemble avec vous. C'est un plaisir, mais avant de finir, nous apprenons ensemble verset que nous avons appris pour aujourd'hui. C'est 1 Pierre 2, le verset 9, qui dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » C'est un plaisir pour nous faire ce moment. Apprentissage du verset ça, nous espérons pouvoir mémoriser la terre pendant toute semaine, non? Tout week-end, non? Et semaine prochaine, nous avons rendez-vous pour l'autre verset. Bon Dieu bénisse. Amen. Que le Seigneur capable de bénir. À bientôt. À bientôt.